Notre journée de détente continue à Sainte-Marguerite d'Urville. J'espère que vous avez aimé la partie de Marelle qu'on a eue avec Tara tout à l'heure. Après ça, nous allons faire place à Zidane qui va nous parler d'un jeu typiquement haïtien, un jeu assez intéressant, ça s'appelle Kai. D'accord, tout d'abord pour jouer Kai, il faut tracer les carreaux, il faut avoir 40 pierres. 4 pierres dans chaque carreau, il faut en tout 12 carreaux et 2 joueurs. Vous comprenez? D'accord, là, il me faut un joueur. Qui veut jouer? D'accord. On reprend pour les enfants. Pour jouer Kai, il faut 12 carreaux. Il faut tracer 12 carreaux, il faut 48 pierres, 4 pierres de chaque carreau et un joueur, en fait, 2 joueurs. Vous comprenez? Alors, vous jouez avec moi? D'accord. Je vais montrer aux téléspectateurs comment faire. Je joue en premier. Pour commencer, il faut d'abord prendre 4 pierres. Déposer une pierre de chaque carreau et lever le lot de pierres dans lequel la dernière pierre est tombée. Et continuer ainsi de suite. Voilà, je continue. Je continue encore. D'accord. Beaucoup moins, ni manger. Ah, mort! Alors c'est ici les téléspectateurs, immédiatement qu'une pierre, que tu restes une seule pierre à la main et que ça tombe dans un espace vide ou mort. D'accord. À toi de jouer. Là maintenant, Luce prend un lot de pierres. Elle dépose une pierre de chaque carreau. Voilà, elle continue. Elle continue de mettre une pierre de chaque carreau, ainsi de suite. Les manger là. Donc les téléspectateurs, les nous manger, c'est les nous prendre 4 pierres, 4 pierres, que tu avais 3 pierres dans un carreau et que tu fais tomber une autre pierre dedans ou manger. Il y a plusieurs façons de jouer ça. Non. Comment faire ça jouer de pam, non? Enfin, à mon tour de jouer. Là, moi manger. La partie continue. Attends, hop. Ah, miam, 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 it's delicious. Oh, encore. Oh, moi. D'accord, à tout tour. Là, maintenant, il reste maximum 12 pierres. Luce va jouer. Va déplacer les pierres et mettre une pierre de chaque carreau. Et après, ce sera mon tour. Alors, allons-y. Oh, Jésus! Aïe! J'ai pas d'autre solution. Et voilà, Luce a gagné. Voilà, Luce a gagné. Alors, on applaudit Luce. On a terminé le jeu et là maintenant, on va remplir à nouveau les cases. Voilà. Comme vous pouvez le constater, Luce bat moi. Donc moi j'ai 2 cases qui vides, elle a beaucoup plus de roches que moi. Donc cette partie-là, m'a fait croix sous lit. Donc moi je dois déposer pierre dans l'autre partie là-dedans. Alors Luce fait croix sous lit pour m'oublier.
Et voilà, on continue la partie. Merci à toi, Luz. Applaudis. Maintenant, j'espère que vous avez bien appris et que vous pourriez jouer caille chez vous à la maison. Alors, je fais place aux enfants qui vont me poser quelques questions. Comment tu fais pour savoir que tu as des cases à moins, en fait? En remplissant les cases à nouveau, tu vois qu'il te manque des pierres. Donc, les pierres qui te manquent, autant de cases que tu as, c'est des pierres qui te manquent. Autant de cases vides. Par exemple, là, j'ai deux cases vides. Donc, il me manque 8 pierres. Tu comprends? Ces 8 pierres sont entre les mains de Luz parce que c'est elle qui a gagné. Pourquoi tu as mis 2 fois dans ces 2 cases? C'est parce que cette partie est interdite, c'est parce que j'ai perdu. D'accord, tu comprends? C'est interdit de mettre des pierres là-dedans. Pourquoi, comme si les nam jouent, pour qui ça les nam jouent caille, nous obligés de gagner 4 roches dans chaque case? Moi-même, bah, parce que je sais pas. C'est ça se joue ainsi depuis petit. Moi, j'ai joué, c'est 4 pierres de chaque casier. Tu as 12 casiers, 48 pierres, c'est ainsi. Donc, je sais pas si on joue ça autrement, si on peut mettre 10 roches, 30 roches, mais moi c'est comme ça que je sais jouer. Donc chers téléspectateurs, c'est ainsi que joue Kai, c'est facile à faire, j'espère que vous avez bien appris. Et comme vous pouvez le constater, c'est Luz qui a gagné la première partie, alors on l'applaudit s'il vous plaît. Wouhou! Oh! Non mais c'est normal, elle a gagné, la plus petite elle a gagné. Donc c'est tout ça et bien autre encore, la partie n'est pas encore terminée parce qu'il y a d'autres jeux. On va faire la go, wand, et sauter à la corde, etc. L'aventure continue. Et la stititique fantastique, le roi des papillons a cassé ses moutons pour faire un élastique. Si tu bouges, tu mourras. Donc, moi, quoi que nous déjà, ouais, qui ça qui a passé là, c'est Pepsi que nous avons joué. Ils ont joué typiquement la carte, ils ont joué que tout le monde connaît. Ou même quand regardez là, vous connaissez. Pas on regardez là, nous connaît. Pas beaucoup de monde qui parle de Pepsi. Et oui, c'est ça. Donc, en quelque sorte, Pepsi, c'est un jeu que vous jouez avec les deux mains. Donc, la base, il suffit de taper dans les mains, taper dans les mains de sa partenaire. Donc, ça peut se jouer à 2, à 3, à 4, à nombre de monde que vous voulez. Hein. Mais ça dépend, dépendamment de la chanson, il y a plusieurs jeux de mains que vous avez fait. Par exemple, il y a élastique. Donc, je vais demander à Tara de faire une démonstration. Donc, vas-y Tara, regardez les mains. Élastique, c'est comme ça. On va demander à Zidane et à Priscilla qui vont nous faire une autre démonstration de Pepsi Cola, par exemple. Pepsi. J'ai des deux cola. Cola orange. Orange. Original. Original. Citronal. Regarde en haut. Regarde en bas. Comptez. 1 à 10. Et voilà. On a vu Priscilla qui s'est tue. Donc, tu ne connais pas la chanson Priscilla? Donc, c'est ça. Il y a deux chansons. Vous connaissez quelle chanson vous-même? Tu connais quelle chanson, Sarah? Comme Michel était bébé. Comment? Comme Michel était bébé. Comme Michel était bébé? Oui. Ça se joue avec les mains? Oui. Ah ben, tu essaies avec elle? Tu connais pas? Et Luz? Tu connais? Je pense. Joue avec elle. Quand Michel était bébé, regardons Tara et Sarah. Comment? Je vais faire avec Florian. Ça fait tellement long. Bon, même qui montre, Emily. 1, 2, 3. Quand Michel était bébé. Quand Michel était bébé, elle faisait ça. Quand Michel était enfant. Quand Michel était enfant, elle faisait ça. Quand Michel était adolescente. Quand Michel était adolescente, elle faisait ça. Allô, chérie. Merci, Sarah. Michel était bébé. Quand Michel faisait tout. Il y a un autre jeu.
Oui, elle sera à tout. Merci Sarah. Il y a un autre jeu, Amélie Méli, vous connaissez? Oui. Donc la fille, vous connaissez Amélie Méli Mélo? Bien sûr. Donc, je le reprends, chers téléspectateurs. Jouer Pepsi, tout ça, ces jeux de mains-là, on le fait juste avec les mains. La balle, c'est taper dans les mains, mais dépendamment de la chanson, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut faire ça avec une main, on peut faire ça avec les deux mains, on peut faire ça comme ça. Alors, il y a plusieurs chansons, l'une les plus amusantes que l'autre. Et là, elle va chanter Amélie Mélie Mélo, que vous connaissez, chers téléspectateurs. J'espère que ça va vous amuser. On commence la fille. Amélie, Mélie, Mélie, Mélo, partant pour le ruisseau. C'est la rigolo, nous irons voir l'eau. Gal, gal, avec un fiancé, chérie. Ma mère est boulangère, miam, miam. Mon père est policier, passez. Ma mère est une indienne. Et là, je suis la reine Isabella. Et je Alors c'est ça, chers téléspectateurs, je le reprends, la balle c'est taper dans les mains de sa partenaire, mais le jeu change dépendamment de la musique qu'on a choisie. Elles ont joué Amélie Méli Mélo, elles ont joué Pepsi Cola, il y a Dame Dame B, il y a Elastic, il y a plusieurs chansons que l'on peut chanter pour jouer à Pepsi Cola comme on l'appelle en Haïti. Donc j'espère que cette partie vous a plu et l'aventure va continuer avec d'autres jeux. Ok, te prends pas la tête, laisse tes problèmes. Prends ce que tu veux, fais tout ce que t'aimes. FAB, je resterai le même. Tranquille et posé, oser déposer des causes. Poser le sourire s'impose. Il faut pas te poser.